C'est parti, mon kiki, nous sommes sur Mafia, pardon, premier du nom, sur PC, sur Steam. J'essaye de retrouver le timer, vite fait, j'aurais dû le lancer avant. Ok. Oh, jeu de merde, Minato, c'est violent ça quand même. Pour moi, c'est pas un jeu de merde, c'est un bon jeu. Après, si tu aimes pas, c'est tes goûts, mais je ne suis pas sûr que ce soit véritablement un jeu de merde. En tout cas, merci pour ton passage, et puis bonne soirée, bonne nuit à toi, fais de beaux rêves. Et à la prochaine. Aïe, ça me gratte. Je peux rendre ma patate. Allez hop, c'est parti. Du coup, là, je sens que je vais galérer quand même. Donc, je vous rappelle, on venait de faire péter le bâtiment qui est ici, ou du moins le bureau. Et là, on va essayer de se tirer. Où est-ce qu'il est passé? Je suis pas là, mais on va essayer de remonter. La dernière fois, j'étais mort un paquet de fois. Donc, ce serait bien que cette fois-ci, je m'en sorte. Allez. Le personnage est lent et pas toujours très maniable. Ah, oh, allez, prends cette sortie. On va y arriver. Oh là là, allez. Voilà, allez hop, on continue. Il y a du monde plus loin. Enfin, j'essaie d'avoir tout le monde. Alors, il y avait quelqu'un ici. Voilà. Je sens que je vais encore crever. C'est bon, il est mort? Ça m'en a tout l'air. Bon, j'aurais perdu des munitions, mais ce n'est pas grave. Faut mettre un espace, il me semble, Mimala, pour pouvoir... couper le bon truc. Roulette green? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Faut juste taper roulette, ça suffit. Allez, viens là. Alors c'est un vieux jeu, hein, Mafia, faut pas l'oublier. Ok, et le 2, il y en a un encore sur le côté. Hop, encore un en moins. Je sais qu'il y en a un autre là par là. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres, sinon je vais être dans la mouise, je pense. Et je n'ai plus de munitions. Oh, il y en a un autre. Est-ce que je peux éventuellement recharger ça et essayer de l'avoir? Oh punaise. C'était bon ça. Fouiller le macabre. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Oh, pauvre Tirac. Ça remplit le chat à une vitesse, donc, cette histoire. Ah, ah, c'est un point d'exclamation qu'il faut mettre au début. Mais la bombe a déjà explosé à cause des Tirac. C'est dommage, tout... oh punaise, où est-ce qu'ils sont les autres? Relève la tête, s'il te plaît, toi. Oh punaise, il y en a sur le côté. Je sais pas si je l'aurais eu. Dommage que je puisse pas viser avec plus de précision, ça aurait été pratique. Ressors ta tête, s'il te plaît. Encore un petit peu. À part si t'es mort, ça m'arrangerait. Salut BG Summoner. Entre lancer Uncharted 4 et venir, j'avoue. Ah là là. Moi ça va, j'ai lancé un petit peu. Par contre, j'ai de grosses galères pour essayer d'avoir un enregistrement pas fluide. C'est pas le problème qu'il soit fluide. Le problème, c'est qu'il soit un petit peu correct au niveau de mon audio, parce que je suis obligé d'utiliser des logiciels à part. Et c'est vrai que c'est pas jojo, quoi.
Je sais plus quel est le zoom avec cette touche, avec cette arme là. Je sais pas trop où est-ce que je suis censé aller ensuite. Ah, ça doit être par là. Est-ce que je dois descendre par contre ou monter? Apparemment, je ne peux pas descendre. Je ne peux que monter. Merci beaucoup Alice en tout cas d'être passé. Bon live et moins de jeux ça pollue. Comment ça moins de jeux ça pollue? C'est quoi cette histoire? J'ai pas tout compris. Ah d'accord, ça pollue le chat, ok. Bonne soirée Alice encore une fois, merci d'être passé, fais de beaux rêves. Et puis à la prochaine, en espérant que le prochain jeu te plaira plus que ça. Attendez, hop là, je sais pas trop par où passer ensuite. Je me demande s'il faut pas que je passe en face, mais ça fait un peu loin, non? Je vais déjà aller voir par là, s'ils ont des munitions. À moins que je puisse atteindre cette porte-ci. Et partir par là. Bah non, ce n'est pas le cas. Comme ça, c'est réglé, encore une fois. C'est juste, Kevin. J'ai l'impression qu'il faut que je passe en face. Ah voilà, à l'échelle. Le chien se foutrait de votre gueule si on était sur NES. C'est un super canard. C'est pour ça. Je suis pas sûr que ça se passera bien. Et sérieusement, le jeu n'aurait pas été si embêtant à faire tourner, je serais allé cliquer dans le chat et j'aurais essayé de taper shoot pour voir. Le canard a dû s'envoler. Faut essayer d'en lancer un autre pour voir. You did it! Alors, faut que j'aille par où après? Bon, du coup, on a réussi à passer. J'ai peur qu'il y ait encore d'autres personnes qui viennent nous embêter. Ah, oh, ça aurait pu être une caisse de soins, ça, mais non, pas du tout. On s'est fait avoir rien à une là. Oh, merci. En plus, ça me remonte bien à 100, donc ça, c'est cool. Pas vu que ça dure. Vous êtes pas assez rapide, les gens. Et il nous a été enlevé prématurément. Le Seigneur attend Billy à bras ouverts. Car les âmes pures comme la sienne sont attendues au paradis. Billy était un bon fils, un bon frère et un bon ami. C'est ainsi que nous nous souviendrons de lui. En priant pour son salut. Car il était bon. Et maintenant, l'ami de Billy, qui était auprès de lui dans ses tout derniers instants, voudrait nous dire quelques mots. Parle, mon fils. Merci, mon père. Voilà, je voulais avant tout saluer la mémoire de Billy et lui dire que je l'ai toujours considéré comme mon frère. Et que sa mort fut une grosse perte pour moi. J'étais là pour le voir mourir et... Hé ! C'est ce type ! C'est le salopard qui a refroidi Billy ! Butez-le ! Oh super, ça sent pas bon. Couchez-vous, mon père. Planque-toi l'ami, tu vois bien que tu peux te faire tirer dessus ici, comment c'est diable, pour me planquer. Oh comment je déguste. Une femme et des enfants, ne faites pas ça. J'aurais pas cru. T'es déjà mort. Mais mec, j'en mets des balles dans la tête, il meurt même pas. Et venez par là, on a un... Bah ouais, fantasme. Je vous en supplie, laissez-moi vivre. Je vous en supplie, laissez-moi vivre.
3, il me reste plus que 5 points de vie. Où est-ce que vous voulez que j'aille avec ça? Il n'y en a pas un autre là-haut? Il y en a un là-haut. Je cherche le modèle de fusil à canoncier. Je l'ai pas ramassé le... Non, pitié, ne me tuez pas! De toute façon, j'ai pas assez vite. Non, pitié, ne me tuez pas! Voilà, il s'est passé quoi là? Épargnez-moi! J'ai une femme et des... Voilà, j'étais sûr que j'allais mourir, de toute façon, on va pouvoir recommencer. Heureusement que c'était un jeu de quoi? Enfin, ils ont vite fait pour l'enterrement, oui. Un lentement du gars. Ah non, mais là c'est vraiment un... une... Comment on appelle ça? Un concours, un mauvais concours de circonstances. Je ne sais plus. Faut pas oublier le numéro. Corbillard Express. Bon là, ça va lancer la cinématique, espérons que j'ai assez de munitions. Par contre, c'est dégueulasse, ça m'a débarrassé de... C'était pas ça que je voulais faire. Ça. Privé de potes, des chatons à ce point-là. Et il nous... Voilà. Mais ben non, mais oh! Épargnez-moi. T'es déjà mort. Oula, comment il s'est téléporté celui-là? Non, pitié. En moins. Laissez-moi vivre. J'ai une femme et des enfants, ne faites pas ça. Non, pitié. Épargnez-moi. Épargnez-moi. Laissez-moi tranquille, je vous en prie. Faut que je change d'arme parce que là c'est pas joyeux. Pas encore mort toi? Allez, bah attends. Heureusement qu'il est aussi doué que moi pour viser celui-là. Oh punaise, il y en a un autre. Oh là là, j'ai plus que 2 points de vie, je suis mort. J'avais oublié que le jeu était vraiment aussi compliqué. De quoi Mephisto, qu'est-ce qui lui arrive? J'ai pas vu de Mephisto, moi. Mephisto. Il est malade! On va lui envoyer un SMS à Mephisto. On va dire « Courage, Mephisto! Nous sommes de tout cœur avec toi !» Il est où? Mephisto est malade. On va lui dire « Bon rétablissement, Mephisto !» Voilà, ouais, une mort est une mort pour l'instant. Ça en fait déjà 2 des morts, hein. Mais je m'en suis mieux sorti que la dernière fois quand même, pour l'instant. Ouais, c'est clair qu'il se répète. J'ai perdu la moitié de ma vie, c'est génial. Rappliquez tous. Hop, et de 2. Arrête de bouger toi s'il te plaît. En moins, je vais essayer d'avoir celui qui est au fond là-bas. Ça, c'est pas trop mal passé pour l'instant. Pas tué. Je crois qu'il est mort. Eh, hey, mais il y a des gens encore qui se ramènent. J'ai plus de balles. Épargnez-moi.
Aïe, mais je suis à longue distance, on peut m'avoir là, c'est quoi ce travail? En moins. Chut, tout va bien se passer l'ami, ne bouge pas. Ils arrivent quand même à me toucher encore hein. Ah, pourquoi t'as bougé? Pourquoi t'as encore bougé? Laissez-moi tranquille, je vous en prie. Épargnez-moi. Ah, je l'ai eu, lui. Non, pitié, ne me tuez pas. Laissez-moi vivre. Un petit dernier. Voilà. Épargnez-moi. Mission accomplie. Ce n'est que moi. Mon fils, ne tirez pas, je ne suis pas armé. Qu'avez-vous fait, mon fils? Tant de souffrances inutiles. Dieu est miséricordieux, qu'avez-vous fait? Le meurtre est le plus grand des péchés. Je sais, mon père. Mais ça s'est pas passé comme prévu. J'ai dû me gourer quelque part. Tant de gens sont morts sans raison. Ils auraient pu accomplir tant de choses. Mon père, ces types étaient des criminels, des malfrats, des meurtriers. Celui qui est allongé devant voulait violer mon ami. Peut-être Dieu en a-t-il voulu ainsi. Beaucoup de gens vont avoir une vie plus peinarde maintenant. Oui, les voies du Seigneur sont impénétrables. Mais vous, pourrez-vous encore vous regarder? Vos mains sont tachées de sang et souillées à jamais. Je sais, mon père. Regardez-vous, quel gâchis. Il va falloir consacrer à nouveau l'église. Tout est détruit. Impossible d'accueillir mes paroissiens. Que vais-je faire maintenant? Peut-être qu'un petit don. Priez pour mon âme, mon père. J'en aurai besoin. Mais oui, mon fils. Je prierai pour vous. Tout le monde s'achète. Au fait, mon père, votre baratin à propos de Billy. Vous êtes bien placé pour les problèmes de conscience. Billy était une crapule et il n'a fait que du mal tant qu'il était vivant. Ah là là. Le prêtre. Nouvelle mission. Au moins, ils sont pas loin volontairement. Ah, ça c'est sûr. Ah, faut que je me tire. Par contre, je pense que je vais ranger mon arme. Et je vais prendre le corbillard, ça a l'air rigolo. Faut que j'aille où? Faut que je retourne chez Salieri apparemment. Je sens que ça va être compliqué. Je suis recherché. Vraiment pas rentrer dans les dégommer des poteaux en fait. Ça marche pas, on peut pas, c'est comme ça. Mephisto qui vient quand même, mais faut te reposer l'ami. Personne m'avait dit que Gaël était dans Mafia 1. Qui est Gaël? Quelles sont ces choses? La menteuse. J'ai pris mes forces pour prendre le PC. N'utilise pas tout quand même, tu en auras besoin. Qui se cartonnent tous là. Ça roule pas ce machin.
Et le 3 voitures, histoire qu'on ait bien mal à la tête après. J'ai l'impression qu'ils sont tous sortis de leur véhicule, parfait. J'aurais dû faire ça plutôt. Beaucoup de rhum. N'arrive pas à passer, mais si, il m'a suivi là, cette fois. Ah, il me rentre dedans en plus, hein. On va tenter contre-sens en espérant que ça va y faire quelque chose. Ah, c'était limite là. Est-ce qu'on m'a pas vu de vue? Oh, les revoilà, les revoilà, les revoilà, les revoilà, les revoilà, les revoilà, allez voir là. Tout va bien, restez où vous êtes. Ah, il s'est pris le tram, parfait. On peut le faire, on peut le faire, on peut le faire. Je vais pas crever après un trajet, pourquoi il vise pas mon personnage? Je me vise. Ah bah j'avais plus de munitions, oh la catastrophe. Coucou Celt, comment vas-tu? Ah mince, j'ai pas pensé pour le titre. Ça m'a pas traversé l'esprit à vrai dire. Attendez. Pom 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 pom. Mafia, mettre à jour. Voilà, et là, il faut que je mette. Un peu paumé quand même le mec, hein. Propriété. La dernière fois c'était Peinturello, décidément Mafia, ok. Et on l'affiche, voilà. C'est lui, va fait boum. En plus, ça vient me faire revenir au début. Non, mais restez coincés les mecs. Oh, comment ça va être chiant de semer eux. En plus, j'ai plus de balles nulle part. Perdez-moi de vue, perdez-moi de vue, perdez-moi de vue, perdez-moi de vue. Oubliez-moi, je ne suis pas là, je n'existe pas. Faut que j'arrive au bout, ce serait cool. Ah, il me poursuit, en plus, ce sont des voitures plus rapides que les miennes. Ah mince. Peut-être que si j'avais pas fait d'excès de vitesse, ça aurait été bon. A pris un mauvais coup. Mais encastrez-vous dans le décor, allez. Non. Ah si, il me cherche quand même. Oh punaise. On va jamais s'en sortir. C'est pas ma faute, elles sont partout.
est où le tram? Il n'y a pas le tram quelque part là? J'aurais peut-être dû prendre le métro, ça aurait peut-être été plus rapide. Enfin, le monorail, le truc. Aïe punaise, je suis jamais arrivé à cette mission. J'essaye les robots de quoi? VV? Medieval dedans. Recommencer. Il faudrait que je trouve une solution pour arriver à destination sans que ça pose problème. Parce que pour l'instant, les flics me recherchent. Est-ce que par là, nous avons le métro? Et si je partais au sud? Ce fut une violence. Comme ça, moi, c'est réglé. Ok, donc il va falloir que je fasse gaffe. En fait, faut pas que je fasse de limitation de vitesse. Ils savent pas que je suis dans le corbillard pour l'instant. Ah bah si. Mais non, les gars, quoi. Elle est lourde, cette mission. Ça commence à être chiant. Mais un de ces jours, il faudra que j'invente un compteur de mort. C'est désagréable ce son de les entendre comme ça là. Ah, descendez bien de votre véhicule s'il vous plaît et tirez-vous. Mais remontez pas si vite les mecs, hein. Restez-y dans votre véhicule. Gotham en ville médiévale, c'est une très bonne idée, ça s'appelle Gargoyle. Enfin, Gargoyle, faut dire que ça se passe aussi à l'époque contemporaine, hein, un petit peu. Oui, pas un geste, pas un geste, tirez-vous. Mais il cherche vraiment à m'avoir, hein. On appellerait ça du steampunk, je pense. Je sais pas si je peux arriver à destination sans me faire bouffer. Non, il y a deux voitures de flics. Restez coincés, s'il vous plaît. Mais non. Désolé, du coup, j'avais du mal à vous lire, quand même. Faut voir si c'est bien fait. De quoi qui est bien fait? Ça vaut pas les bombes de The Real Vision. Oh ouais, mais c'est pas ma faute, les bombes. Je suis innocent. Elle me voulait du mal. Ah, comment ça freine pas ces voitures? Alors eux par contre je pense qu'ils vont se prendre le virage sans problème, voilà, qu'est-ce que je disais. C'est de la triche ça, ces véhicules qui sont pas tout à fait les mêmes. Oui, prends-toi la voiture, prends-toi la voiture et ne repars pas. Oh non, il y a une voiture de flic juste en face. Et lâchez-moi. Bien sûr.
va peut-être faire comme dans Mafia. Voir si on peut esquiver un petit peu les flics comme ça. C'est pas garanti. Mais j'aimerais bien. Ah, bien sûr, on veut un autre. Mais son personnage, il passe à travers. Ah non, c'est bon. Et du coup, bien sûr, ils se ramènent tous. Comment je peux faire pour les semer, moi? Oui, faites qu'il n'y ait pas d'autres flics dans le coin. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Faut qu'il me laisse tomber. Ah, ce serait bon, ça. J'y suis presque. Ah, j'y suis presque. Oh oui, j'y suis. Ça y est, ils me cherchent. Ils savent plus où je suis. Hein? Moi, je suis sauvé. Je peux y arriver. Oui! Enfin! Et boum! Nico a explosé. Désolé, Nico. C'est dans l'ordre des choses. Oh là là. Ça a été chaud quand même. Hein. Intermède 2. 1938. Ah oui, on revient à l'origine de l'histoire. Tu te fous de moi? Et comment t'as fait pour t'en sortir? On était vraiment dans le pétrin. Le dab de Billy, le conseiller, il nous en voulait à mort. Et il était à la colle avec Morello. Sans la mafia, il n'aurait jamais eu son poste. Et il a commencé à mobiliser les poulets. Et on s'est retrouvés avec les truands et les flics sur le dos. Foutaise. Hé, hey, ils y trouvaient tous les deux leur compte. Les poulets se donnaient l'air de lutter contre la pègre, tout en encaissant les pots de vin de Morello, qui faisait ce qu'il voulait. Et avec l'aide des flics, Morello pouvait liquider son principal concurrent. Pour lui, c'était l'idéal, et les choses allaient mal pour nous. Salieri avait perdu un paquet, et j'allais pas très bien après toutes ces tueries. J'ai commencé à me dire que rien n'avait d'importance, que je devais profiter de la vie au maximum et en vitesse pendant que je le pouvais encore, parce que la mort pouvait venir n'importe quand. C'est comme ça que Pauli et moi on a commencé à boire. La vraie décadence alors. Ma vie n'était plus qu'une suite de meurtres, de crimes et de gueules de bois. Si Franck m'avait pas aidé, je serais tombé au fond. C'était bizarre, mais il s'est ramené un jour en proposant de m'aider. Tu peux me déposer à la maison, Tommy? Sûr, Franck, monte. Alors, comment ça roule, Tommy? Bah, pas trop mal. Sauf que... Non, rien. Paraît que Pauli et toi, vous vous éclatez. Vous commencez à avoir une réputation dans le coin. On claque juste notre pognon, c'est tout. Si tu veux pas finir en épave, Tommy, tu ferais bien de trouver un sens à ta vie. Quoi? Tu voudrais m'apprendre le sens de la vie? J'ai vu pas mal de mecs doués qui pouvaient pas résoudre leurs problèmes et qui ont très mal fini. D'habitude, on t'assomme pour te piquer ton fric, ou alors tu deviens dingue et tous les potes et les jolies coulettes, terminé. Mais bref, Don Salieri veut pas bosser avec des poivrons qui ont la tremblote. Avec ces types-là, il y a toujours des problèmes. Si tu fais pas gaffe et sens que tu vois rien, c'est ton meilleur ami qui te descend sans broncher d'un cil. Qu'est-ce que je dois faire, alors? Allons, tu dois juste être fidèle à toi-même, Tommy. Peut-être investir ton pognon dans quelque chose de solide. Je pourrais te filer des conseils. Laisse tomber la Java. Va aux courses avec Don Salieri le dimanche. Essaie d'emmener une poule au théâtre ou au moins au cinoche. Il y a plein de trucs que tu peux faire. Mais qui je peux inviter, Francky? Une fille bien, ça sort pas avec un malfrat. Tu sais, les poulets descendent des tas de mecs au nom de la loi. Tout est dit, Visto, tout est dit. Et toi, c'est pour nos lois. C'est la même chose, mais on n'est pas du même côté de la barrière. T'es pas un assassin, Tommy. Mais quoi qu'il en soit, ma femme n'a pas besoin d'être parfaite. N'oublie pas. Cause pas boulot à la maison, ça fait que des emmerdes. Et où c'est que je vais trouver une femme pour moi, Franck? Je croyais que t'avais un ticket avec Sarah, la fille de Luigi. Je pense que c'est une chouette fille.
Mais y a que toi qui sais jusqu'où tu peux aller avec elle. Il n'est pas question que je foute la vie de Sarah en danger, Frank. Un jour, Frank m'a demandé de m'arrêter au bar. Comme quoi, il y avait un petit boulot pour moi, alors bien sûr, j'ai répliqué. Tommy, on a deux camions pleins de super gnolls qui arrivent du Canada. Sam est déjà parti les retrouver au lieu fixé. Ils sont dans une ancienne ferme à la campagne. Il faut qu'on ramène la cargaison en ville. J'envoie deux camions, Pauli va avec l'un d'eux. Vas-y aussi, je veux que tu ouvres l'œil sur tout. Faut que cette affaire se règle en douceur. Ralphie te filera une bagnole, rejoins ensuite Pauli à l'entrepôt. Pauli te filera des armes quand t'arriveras là-bas. Ok, Franck. Allez là. T'es un chaton, exactement. Tout fonctionne bien avec les chatons. Est-ce que je peux parler à Gus Gus là-bas? Donc, mission retrouver Pauli à l'entrepôt, ok. Il est bien en train de démonter une caisse, oui. Bonjour. Alors, qu'est-ce que t'as pour moi aujourd'hui, Ralphie? Hey, Tommy! Ouais, j'ai une nouvelle bagnole. 65 chevaux sous le capot. Et si tu mets le pied au plancher, elle dépasse les 75 miles. Et... Non, mais de toute façon, personne ne peut résister au résultat entre Mephisto et moi. Ils ont mis une nouvelle serrure, mais pas de problème, hein. Regarde. Tu vois, Tommy, fastoche, tu peux la prendre ou une plus vieille, si tu préfères. Merci, Ralphie. Oui, elle est sûre qu'il y a de bottes de ce qu'elle raconte. Donc du coup, ça veut dire qu'il faut que tu fasses attention à tes révisions. Là, je commence à avoir un paquet de voitures, mais il n'y a rien là. Bon, ça va charger. On va aller retrouver Pauli à l'entrepôt. N'empêche, je dois être recherché par les flics et personne ne réagit. Qui est ce Izanagi? Joli, hein? 99%. J'aime bien ce qu'il y a toujours un 0,01% qui reste en coin. Oh punaise, j'ai eu la chance de ralentir le rythme et qu'il m'ait pas vu le flic parce que là certes la voiture avançait bien mais j'aurais croisé en dehors du tunnel, il m'aurait mis une amende le mec. Non, les pourcentages n'évoluent pas en fait. Ça fait une comparaison de caractère par caractère. Qu'est-ce que je fabrique? Moi je prends pas la bonne direction. En gros, le pourcentage calculé en fonction du nombre de caractères qu'il y a en commun ou non dans vos pseudos. C'est pour ça que Mephisto, ça marche très bien avec moi, parce qu'il y a là un I, un T, un I, un 63 encore. Donc du coup, ça passe très bien pour ça. Et pour ce qui est de Sully avec Sully, forcément que ça passe bien, puisque du coup, c'est exactement les mêmes lettres. Donc bon... De toute façon, ça compte pas. Ça dépend. Non, une patate. Une patate en liberté. Attrapez-la.
tu luttes. On va attendre qu'il y ait un feu rouge pour s'arrêter. Ça marche pas aussi bien qu'avec les révisions de Soso, hein, quand même. Et celui-là va encore être plus rapide. Vous avez du mal à attraper les patates, décidément. C'est cool les maths, c'est dangereux pour la santé les maths. Mais je sais plus, je crois que sur... Alors attendez, hop, on va couper la rediffusion vite fait.